Merci, asseyez-vous. Je vous remercie tous d'être venus assister à cette cérémonie de graduation, si importante pour les aspirants que pour l'institution policière. Ce jour si lointain, tant attendu, est finalement arrivé pour ces jeunes motivés à servir leur pays. Aspirants de la 29e promotion, vous étiez 750 à vous présenter à l'École nationale de police le dimanche 18 février 2018. Sans vraiment savoir comment la formation allait se passer, vous voilà maintenant 692, parmi lesquels 504 hommes et 188 femmes, à être gradués après avoir passé 7 mois ensemble à éprouver des moments difficiles de douleur et d'émotion. Aujourd'hui, vous voilà au seuil de votre avenir, prêt à affronter une nouvelle vie, celle du service public, de se mettre au service des autres pour un meilleur environnement stable et sécuritaire. Sans attendre de récompense, mais plutôt la satisfaction personnelle d'avoir accompli votre mission avec honneur. Ici, ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on gagne, mais plutôt ce que l'on fait. Vous avez choisi un nom pour votre promotion, Renaissance. Selon vous, la police nationale va renaître à partir d'aujourd'hui, avec du sang neuf, un sang qui permettra de changer les mauvaises pratiques, de redynamiser la force pour qu'elle soit plus active et plus performante. À l'École nationale de police, les instructeurs ont su vous donner le savoir et le savoir-faire. Maintenant, c'est à vous de les appliquer par le savoir-être, car c'est par votre comportement qu'on vous jugera et qu'on évaluera la formation que vous aviez reçue. Oui, les jours passés ici à l'ENP vous ont transformé en gens de bien, honnêtes, intègres, disciplinés, loyaux et respectueux. Ne vous laissez pas emporter par la routine et les mauvaises habitudes. Vous aviez vécu des expériences douloureuses en voyant partir vos camarades pour des raisons de manque d'honnêteté, pour avoir utilisé de faux documents lors des inscriptions, de manque de loyauté pour avoir triché aux examens, de manque de sacrifice pour ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour réussir les épreuves. Avec tous ces exemples, je pense que vous avez bien appris la leçon et que vous êtes prêt maintenant à affronter votre destin en tant que policier déterminé pour le renforcement de l'état de droit. Après avoir passé tout ce temps soumis au règlement de discipline interne de l'ENP, vous voilà maintenant livré aux réalités du terrain. Vous serez seul et exposé à des situations où vous aurez à faire des sacrifices et à prendre des décisions parfois difficiles. Il est donc impératif que l'État prenne ses responsabilités afin que les nouveaux policiers perçoivent leur salaire une fois sortis de l'école, afin qu'ils ne soient pas entraînés par les mauvaises pratiques du terrain et qu'ils puissent faire face à leurs obligations quotidiennes. Émile Durkheim nous fait comprendre que l'homme, aisé ou pas, manifestant aucune volonté d'être utile à sa société, n'est pas digne de son existence. Ce matin, c'est avec beaucoup de fierté et de
d'humilité que je me tiens devant ceux qui ont compris cette logique et qui se sont engagés à faire un noble choix, celui d'être policier, de servir son pays, d'assurer le quotidien de ses pairs malgré les risques que cela implique. Cependant, pour avoir ce privilège, il nous a fallu de nous surpasser que de fuir une réalité qui nous était imposée, celui d'être avant tout un aspirant policier à l'École nationale de police. Être aspirant policier, c'est une passion, une évaluation persistante de notre volonté à devenir un homme intègre, discipliné, prêt à faire respecter et à agir selon la loi. Le 18 février 2018 a été la date de notre fermeture à l'École nationale de police où nous étions 750. Et notre parcours rigoureux a commencé ce jour même. Comme pour toute autre formation, un curriculum a été élaboré et le cursus reflétait le type de policier que veut l'institution. Notre formation s'est déroulée dans une ambiance où l'aspirant faisait constamment preuve de courage jusqu'à être présent dans cette cérémonie de graduation. Malheureusement, certains d'entre nous, ayant eu des incohérences avec leur dossier, ont dû être mis à l'écart ou conduits à la barrière pour de multiples raisons. La direction de l'école était tenace sur l'idéal à atteindre, celui d'avoir des professionnels à la hauteur des défis qui nous attendent et des agents prêts à adopter les nouvelles stratégies de la police moderne. Ainsi, l'obtention d'une moyenne de 70% nous était imposée pour avoir droit de poursuivre la formation. Nous l'avons tous obtenue et nous sommes 692. Sur ce, je salue le travail et le leadership du directeur de l'ENP qui s'est montré à la hauteur de sa tâche. Voyons chez vous cet engagement émotionnel pour nous assurer la qualité de cette formation. La promotion ne peut qu'admirer votre dévouement. Nous vous disons merci, monsieur le directeur, ainsi qu'au personnel administratif. J'en profite aussi pour remercier nos valeureux instructeurs et moniteurs du corps pour avoir partagé leurs compétences et leurs expériences, leur temps. Nous avons grandement apprécié votre implication, votre patience, vos expériences et, le plus important, votre passion pour l'enseignement. Sachez que nous vous avez appris à grandir. Après l'éclatement que vous venez d'apprécier, vous allez assister. Mesdames et messieurs, la sécurité est consubstantielle à toute société démocratique. Elle est le socle de la vie collective. Elle est transversale à toutes les institutions. Elle est le refrain des besoins exprimés pour la bonne marche des activités de la communauté. Aucun pays ne peut faire l'économie de la sécurité. C'est pourquoi, fidèle à sa mission constitutionnelle de garantir la sécurité des vies et des biens, la PNH a compris que la réussite de sa mission passe par le renforcement en continu de son personnel en qualité et en quantité. Le recrutement de la formation de la 29e promotion répond justement à cette logique. Cette démarche se trouve en droite ligne des obligations du plan de développement stratégique de la PNH ainsi que de mon plan triennal à la tête de l'institution.
aspirant de la 29e promotion. Vous aviez choisi de servir Haïti dans les rangs de la PNH. Vous avez choisi de servir et de protéger la population. Cette cérémonie couronne vos études et consacre la décision que vous aviez prise. C'est pour moi un moment de grande fierté, de profonde réminiscence et de résurgence d'un passé toujours présent dans une mémoire de policier. L'instant présent est unique par sa charge émotionnelle, mais aussi par son symbolisme. Aujourd'hui marque à la fois un début et une fin. Sachez bien tirer le rideau pour bien regarder l'avenue de votre avenir et emprunter la bonne ligne dans votre institution, dans votre pays. Car on ne fait son lit, on se couche. Vous serez l'habile artisan de votre bonheur ou l'infâme forgeur de votre malheur. La vie du présent tisse celle de l'avenir, pour répéter Gustave Le Bon. Tout acte a donc ses conséquences. À vous de choisir. Maintenant, ce n'est plus des aspirants policiers, ce sont des policiers à part entière. L'assistance est priée de se rasseoir, s'il vous plaît. Maintenant, nous avons 692 nouveaux policiers au sein de la police nationale d'Haïti et c'est de bon ton d'appeler notre ministre de tutelle pour son discours. Cette cérémonie de graduation des policiers de la 29e promotion revêt d'une grande importance pour moi en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, car elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État
consistant justement à promouvoir la stabilité dans le pays. Madame, Monsieur, permettez-moi de partager avec vous que beaucoup d'efforts ont été déployés, beaucoup de sacrifices ont été consentis pour parvenir à la formation de ces 692 policiers. Cette formation de base solide, à la fois théorique et pratique, s'est échelonnée sur la période allant de février 2018 à septembre 2018. Dans cet ordre d'idées, la formation constitue la cheville ouvrière des institutions, alors je dirais mieux les centres de formation de la police nationale, puisque deux de ces trois piliers reposent sur l'Académie de police et l'École nationale de police. L'objectif de l'État vise à former ses officiers et agents de la police nationale pour une meilleure performance sur le terrain, pour mieux protéger et servir. Disons aux futurs, alors ce n'est plus des futurs policiers, c'est des policiers, que ce jour est un jour d'engagement chargé des responsabilités pour vous. Il s'agit bien évidemment de mesurer le sens et la portée de telles responsabilités, car la population compte sur votre travail pour la sécurité et le bien-être de tous et de toutes. Chers policiers, pour bien mériter de la patrie commune, il suffit d'accomplir vos tâches, vos rôles et vos missions dans l'honnêteté et la dignité. Il faudra résister à la tentation de la corruption, mal qui gangrène la société, comme souvent le rappelle le président de la République dans ses différentes interventions publiques. Il faudra agir dans la tempérance, teintée bien évidemment de fermeté, pour ne pas tomber dans des situations de non-retour. Il faudra mettre à l'esprit le bonheur des générations actuelles et futures, gage d'un rêve accompli. Il faudra penser à consolider l'édifice de l'état de droit et contribuer à la construction permanente de la démocratie. L'histoire de la police nationale d'Haïti retiendra que de dignes filles et de fils ont marqué d'une pierre blanche leur passage au sein de cette institution, et la postérité rendra gloire à cette 29e promotion et sera fière de vous. Policières et policiers, frais et moulus de cette 29e promotion de la police nationale d'Haïti, vous avez choisi un métier qui a pour devise protéger et servir. Comme vous le savez, ce métier est apprécié par nos concitoyens parce que être policier, c'est être disponible pour secourir les personnes qui sont en danger. Après des mois de formation, précédé d'un long processus de sélection, vous voilà, enfin, policières et policiers. À ce titre, vous serez le rempart contre tout ce qui pourrait ébranler la société et en saper les valeurs auxquelles nous nous attachons. Vous avez, au cours de votre passage à l'École nationale de police, fait la preuve de votre capacité d'apprentissage et d'adaptation à un corps de sécurité. Au cours de votre formation, vous avez reçu des enseignements vous préparant à l'exercice du métier de policier. Vous avez également exploré des domaines complémentaires qui faciliteront votre travail dans un contexte de plus en plus élargi de votre profession. Les savoirs spécifiques ainsi que les compétences transversales
que vous avez acquis pendant la formation vous permettront de remplir vos obligations professionnelles et de contribuer à la consolidation d'une société démocratique. Vous avez choisi d'aider la population dans une sphère importante de la souveraineté nationale et d'engager votre carrière professionnelle au service de l'État de droit, souvent au prix de lourds sacrifices. Au nom de la nation tout entière, je vous dis merci. En optant pour la formation en sciences policières, vous avez fait le choix d'exercer la fonction de gardien de la loi et de devenir des acteurs vigilants de la sécurité de nos concitoyens. Le métier de policier est exigeant et réclame de vous un sens élevé de responsabilité dans l'accomplissement de vos devoirs de maintien de l'ordre et de sécurité publique, de protection des biens et des personnes et de respect des droits humains. Je veux vous rappeler que tout policier doit respecter les lois et les règlements, respecter des institutions du pays et avoir une conduite, une attitude et des comportements exemplaires. Mesdames et messieurs du haut commandement de la police nationale, nos concitoyens ont des attentes de leurs forces de police. Les notes qui me parviennent à mon bureau au Palais national disent combien l'attente de la population en matière de sécurité est grande. La population ne comprend pas qu'un groupe de caïds et de criminels peut lancer des défis à sa force publique de sécurité au vu et au su de tout le monde sans être inquiété ou appréhendé. Maintenant, nous sommes confiants. Après avoir entendu le discours du directeur de la police nationale, que les mesures nécessaires vont être prises pour mettre la main au collet de ces bandits. Les citoyens des quartiers qui vivent dans l'angoisse accueillent avec beaucoup de satisfaction la présence des patrouilles policières. Il est indispensable que ces dernières soient intensifiées et très visibles dans la ville. Et je tiens aussi à féliciter le haut commandement pour la présence nocturne des patrouilles policières à travers les rues de la capitale et de nos différentes villes de province. Avec l'année électorale qui s'annonce, l'enjeu sécuritaire exige que les actions de prévention de la PNH soient renforcées. Notre institution policière sera évaluée à l'aune de sa capacité à mettre en place un environnement sécuritaire approprié pour la tenue d'élections libres, honnêtes, transparentes et démocratiques dans le pays. Et de Poussin Mackinson, agent 2, vous assistez le défilé de la 4e compagnie, la dernière de la promotion.